Lingot de Rical, il faut que je le garde. Je voulais juste tester, voir si je peux pas augmenter mon armure orc. Ah, Mag! D'accord! Je viens de capter qui tu es. Je crois qu'il me faut. Ah non, mais de toute façon, je pourrais pas. Il manque le pare-chaud. Non, je vais pas poser mon argent. Désolé. Oups. J'ai foutu le menu des compagnons dans le coffre. Hop. Donc il manquera juste le pare-chaud d'amélioration pour pouvoir augmenter mon armure orc. Hop, les rubis. Là. Un livre abîmé. Non mais j'en veux pas. Hop. Ciao bonne le livre. Alors, faut que je stocke tout ça. Est-ce que j'ai des nouveaux trucs alchimiques? Nope, 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 nope. Ok, donc je pose tout. Là. Les bouquins rangés à leur place. Voilà. Bon. Est-ce que j'ai vraiment tout posé? J'espère que oui. Ça me ferait chier de re-rentrer. Allez, charge. Et vous jouez pas ce soir. Alors. Ah non, j'ai ces machins, j'ai oublié de poser. Et le bâton. Quoique le bâton, je vais le vendre. Oh, je vais aller vendre tout ça. Hop là. Tout ça et après je pars pour la prochaine quête. Toujours personne. On attend une heure de plus. Ils ont décidé de pas sortir aujourd'hui. Ils se sont couchés tard hier soir ou tôt le matin. Ils ont juste pas envie de sortir. Bon, Benetor. Ah, y'a personne. Faut croire qu'on est samedi. Bon, bah 93 sur 355. C'est parti. Prochaine quête. J'ai pas envie de la faire celle-là. C'est horrible. Oh, mais toi, c'est en haut. Ouais, c'est là-haut. Donc. Hop, écurie de Blanche Rive. Et direction Aube Étoile. Ah là là, cette hache toute pourrie. Bon, pourquoi vous êtes tous à terre comme ça? Oui. Je peux vous aider. Jean. Chevalier d'argent. Ok. Mais ça passait quoi ici pour que vous. Sérieusement, je peux même pas utiliser. Oh. Et je vais comment moi? Ah, oh, bon sang. Relève-toi, espèce d'incapable, y'a plus rien. Allez. Pourquoi ton empressement? Bouge! Rends-moi dans ta carriole! Allez! Mais sérieux? Allez!
Mais y a pas de dragon, merde. Qu'est-ce délire? Qui a excité toute la ville? C'est pas moi pour une fois. Oh là là là. Allez, on passe encore. Nous sommes là pour vous donner une bonne leçon. Ah. D'accord, je comprends mieux pourquoi il tire la gueule. Le problème, c'est que si je les frappe, ils vont aussi me faire la gueule. Merci, le chevalier d'argent. Vous êtes admirable. Contrat. Ouais, sinon, j'espère que... Phare en gare, feu secret. Phare en gare, feu secret. Pourquoi est-ce que... Pourquoi est-ce qu'il voudrait ma peau? Bon. Alors. Hop. Vigueur se régénère 5% plus vite. Waouh. Bâton de combat en acier. Pourquoi ton empressement? Parce que t'es pas dans ton carriole, bordel. Bon. Il y a alors du combat quelque part, ça fait boum boum. Là-bas, voilà. Non, c'est les vampires qui attaquent en fait. Un cyclope. Bon, déjà je lui ai fait perdre son arme. Hop. Attention. Quoi attention? Non mais oh. Bon, c'était quoi ce machin? Un cyclope. Voilà, normalement ils devraient arrêter d'être croquillés sur eux-mêmes. Je l'ai buté le cyclope, bon sang, allez! Debout! Attention! J'ai dit debout! Faites attention. Non! Bon, je vais rentrer quelque part et quand je ressortirai. Ah, d'accord. Ah, ouais. Je peux vous aider? Oui! Aide-moi à les rendre moins couards! Une clé, nécessite une clé. Bon, on va essayer. Ok, ça a pas bougé. Tant pis. Où est-ce que je peux me téléporter? Bah, Bervin, hein. Puis je me téléporte. Puis là. Crash, je te jure. Ça, c'est juste parce que j'ai voulu aller à Aube Étoile. Le jeu me troll. Non, tu n'iras pas à Aube Étoile. Voilà. Bon, au moins, ici, c'est pas des couards. Tu viens de me niquer les yeux. Il paraît que la garde de l'aube est en pleine réformation. Ce sont des chasseurs de vampires. Et donc, où il est le foutu canasson qui peut m'embarquer? Ah, tiens.
Manquer de respect à la loi, c'est me manquer de respect à moi. Et si je te bute, c'est te manquer de respect ? Salut. Salut. Bon, un qui dit bonjour correctement. Bon, il est censé avoir un canasson là. Comme dans chaque foutue ville. Il faut que j'ouvre l'œil. Ces satanés dragons pourraient nous fondre dessus à tout moment. Ouais, bah j'aimerais bien qu'il tombe ici le dragon. Comme ça j'aurais peut-être une chance de le buter. Le dieu Arkei était comme juste le responsable. C'est exact. Malgré tout, pourriez-vous rendre un service à un vieil elfe ? Merci pour votre aide. Qu'Arkei vous bénisse. Ok. Mais il a renoncé volontairement à cette existence. Si tu veux. Pour nous permettre de mieux. Ouais, c'était un oiseau. Bon. Je sais pas où se trouve ce foutu canasson. C'est génial. Je suis pas plus avancé pour faire cette quête. Si je peux pas aller à Aubétoile, c'est la loose. Putain, mais il doit bien être quelque part ce canasson. Je déteste cet endroit, je suis tout le temps paumé. Il est par là normalement. Pas me dire que le mec il dort avec son canasson quelque part. Plus que quelques heures et je pourrais me glisser dans mon billet. C'est des soldats impériaux. Vous êtes parti affronter les dragons et moi, je me retrouve à éviter de vous attirer. Ils ont des armures de sombrage. Bon. Bon, s'ils sont pas à l'autre, c'est qu'ils sont par ici. Voler cheval. Je veux pas voler un cheval. Grimper sur deux mecs qui pourraient me conduire quelque part. Bon, tant pis. Je sais pas où c'est. Donc, pour moi, il n'y a pas. Solitude, au moins, je suis sûr qu'il y a. Je sais exactement où il est, même. Alors. Let's go. D'ailleurs, en tout cas, il faudrait que je visite Solitude. J'y ai bien réfléchi. T'as bien réfléchi à quoi ? Ah, désolé, c'est un secret avec l'autre garde. Ça... Papillon ! Un monstre. C'est quoi ça? Ah, bon. Allez hop, le chariot. Hop. Salut Terre. Où souhaitez-vous aller? Aux Bétoiles. Remontez et nous partirons. D'ailleurs, je pense que je vais toutes me les faire d'un coup. Histoire d'avoir évité de me repayer les services par la suite. Wow, prêtre dragon, il y a plusieurs millénaires, ces prêtres régnaient sur le bord du ciel. Jouissant de leur dragon suzerain. Après leur mort, ils étaient souvent enterrés dans un des nombreux anciens tombeaux et temples. Ouais. On aurait mieux fait de leur arracher la tête avant de les enterrer. Là, hop, on perd pas l'habitude. Donc.